Alors, je pense que y a un problème de désorganisation dans la police là, une bonne rivalité, une bonne contradiction dans la police là. Non, mais est-ce qu'on pense que la police là, pour qu'on parle, sans que Maestro, qui est président de la République là, qui, selon des constats et selon des critiques, livré Québec, on met sous toute institution, yo, notamment la police. Est-ce qu'on pense pas qu'on met politique là, qui empêche la police à agir, Jean qu'elle doit agir, l'en considérer tout, Gagnon, Fédération Gagnon, G9, yo considérer lui comme un groupe armé qui proche pouvoir. Et ne pas lui faire, ouais, critiquer à Boulet Rouge, s'opposition, attaquer des mounes qui n'ont opposition. Ça qui laisse comprendre effectivement, vrai, il a fait travail pouvoir. Vous pensez que la police a libre de mouvement, dépendamment de position président? Je ne vais pas faire une leçon là. Même qu'on est que responsabilité, Gonjon Gérel. L'autre responsabilité principale, faut gagner une attitude d'arbitre. Faut procéder par l'arbitrage. Et si ou même, c'est ou devant, ou qui fait premier pas, ou pas de recul pour faire arbitrage là. Dans le rôle de faire comme premier ministre là, nous avons procédé par délégation. Du chef de la police, ministre de la justice, commissaire gouvernement, la loi ben nous rôle nous. L'elle dépasse nous, moi-même m'a entré en scène. Nous avons un rôle nous, fait travail nous. Nous pas gagné pour me relayer. Et ministre justice pour m'aider la police pour me dire l'arrêter bandit. C'est Rolli pour l'arrêter bandit. C'est l'elle pas arrêter bandit. Elle m'a demandé pour qui ça l'a arrêter bandit. Ni m'a pas dit tout qui j'en pour l'arrêter bandit. Bon manifestation qu'a fait. Et même dit que Rolli c'est sécuriser manifestation. Mon qu'a fait manifestation, il doit faire pour entrer la caillou tranquillement. Mais c'est protéger citoyens dans la rue à tout. Il va bouler affaire, il va comme ça. Pour l'autre monde qui a circulé, vaquer à occupation. Alors, le problème qui gagne aujourd'hui, il y a beaucoup de président Jovenel Moïse, et si gagne, pas leçon, pas de leçon. Si tu as un petit commentaire sur ce comportement, il n'y a pas quitté place pour jouer le rôle habite là. Il y a trois devant scène, et il y a trois essayer de gérer tout détail. Et à ce moment-là, les. Quand tu as essayé de gérer, il voulait accaparer de tout le monde. Il voulait contrôler. Il voulait 10 mois accaparer. Ou quand on joue football, gon défenseur et libéraux. Monsieur, là, les latérales ont raté l'intervention. Ou bien les stoppers ont raté pour lui-même pour le faire. Et dernière intervention. Et bien, si on regarde le football là où les gens l'organisent, et bien, politique là, c'est le même genre. Ou bon président, ou bon premier ministre. Tout pas capable. Sous même ligne, tout pas capable de mener même action. Il y a des fois des débats qui passent, ouais, chef de la police, bah même réaction, ministre, bah même réaction, premier ministre, bah même réaction, président, bah même réaction. Et ouais là, un problème d'organisation, un problème de méthode. Et m'a dit que c'est pas mauvaise foi, parce qu'il y a une différence pour nous faire entre ça qu'on a qualifié de mauvaise foi et de mauvais choix. Et ceci que c'est non. Opposition que c'est dans et pouvoir moins joindre une même attitude là. Ouais, faut pas que temps pas parler, m'a réfléchi, m'a analysé, m'a évalué situation et m'pas rentrer dans politique vinn crason moun parce que c'est plus facile pour vilipender moun et tel pas bon et tel ceci. M'a regarder sacrivon l'autre qui ça pour me ta faire pour pas arriver. M'a content d'un moun dans magique neuf en fleur. Et puis m'tendé monsieur bah la mal passé me dit ah pour me faire attention, je sais moins qu'à parler pour ne pas voir même fleur à tout. Même pas pour le mouté, monsieur, mon chrétien, monsieur, ma bon, ça qui arrive, ils font un dérapage, qui arrive, tout le monde, c'est humain. Ça veut dire que vous pas quitter espace pour le groupe fusible? Pas oublier que, et pas un côté, on va la prendre président. Et pas oublier que monsieur Jovenel Moïse, c'est premier rôle politique, lui. C'est président. Il pas de jambes dans l'État avant. Et puis il est entré nous c'est pas mon système il y a tellement un galvaudé il pas utilisé non mais l'entrée non circuit pour pas du système non côté bagaille pas tellement bien organisé etc. et côté lui-même il tellement ouais gain bagaille pour faire tellement ouais gain bagaille qui manque fait ou bien qui mal fait selon lui-même l'a essayé boucher tout l'a essayé est présent sur toute fois en même temps et à ce moment qu'on y a il vient un monde fatigué avec toute bonne volonté qui paraît inefficace. Je prends un exemple. Qu'est-ce que ce problème pour promesse électricité? Monsieur le Président, pour précaution, il quitte dossier à gérer par
le ministre des Travaux publics ou bien le directeur de l'EDH. Le directeur de l'EDH a dit, bon, nous-mêmes dans la politique, nous ne voulons pas le courant 24 sur 24. Si ça n'a pas marché, il a retiré le directeur. L'assemblée des directeurs, quelque chose, c'est conseil de Wallouré, c'est fusil bouillé, pour protéger chef principal. C'est comme ça le passé. Mais là, c'est chef principal là qui court, il dit. C'est ça qu'il faut, ouais, c'est pas tous les libéraux qui courent à le devant le bail-gol. Et même là, il y a un coup de tête, il est obligé de quitter ton nez derrière pour veiller pour eux. Et pensez que ça prenne pour n'apprendre, pour que l'erreur président Jovenel Moïse a fait jeudi, pour que l'autre monde qui vient président pas fait même erreur. En gardez-les pour nous voir qui côté faute la sortie. Parce que son problème de faille de gouvernance qui a une conséquence. Et sous lui d'abord, et puis sous ensemble pays. Maintenant, bon, rabattre sur l'autre question. Ou même en tant que CSPN, chef CSPN, comment tu as géré le dossier ça? Ou mettez à vie de recherche contre un citoyen qui font un crime terrible, toute société a tête en bas, après l'assassinat Evelyne Sincère, petite jeune fille à 22 ans, fait que ça te fait un examen philo, ou est-ce que tu as mettre la société a tête en bas? Ou mettez à vie de recherche derrière, c'était Obed Joseph, et le regardez pour eux. Qui est-ce qui monte sur les réseaux sociaux qui dit prend? C'est au monde, ou même personnellement, tant que chef CSP, nous connaissons qui ont envie de recherche contre lui, de parler de Jimmy Cherizier Barbecue, qui dit il gagne, il arrête, il marie le bras d'air, il pote le bain au commissariat. Le deuxième matin, comment tu vas le sortir en tant que chef CSP? Comment tu vas le sortir dans le dossier ça? Si tu vas parler du directeur général et que le directeur général de la police nationale là et que Ougel dans le CSPN là. Comment tu vas sortir dans le bagage ça, chef CSPN? Chef pas existé sans structure. Ou gen doit chef pour porter nos chefs là, mais ce n'est pas un levier. Si je suis dans nos machines, la batterie machine n'est pas bon, mettre des bons chauffeurs comme j'aime des bons chauffeurs, la machine n'a pas déplacé. Et même si je me fais pousser, les papes, j'aime bâti, même s'il dégaine clutch. Alors, et c'est même question par anticipation. Et est-ce que nous mesurons la capacité? Et lorsque vous lancez un avis de recherche pour Jimmy Cherizier, il semble une parole. Parce que, ou cherchons mon ou pas, ouais. Ou cherchons mon ou pas qu'on est côté lié. Mais comme tout le monde connaît qui côté lié, et lui-même tout le pas caché, de temps en temps, il fait apparition, soit sous belle, etc. Il y a un quartier, c'est là, fonctionner, lui, sous réseaux sociaux, et actuellement, avec la technologie, ou qu'a repéré ça, mon app fait dans le téléphone, son monde qui, cap vivre dans tout le monde, il peut être des précautions qu'il prend. Je pense que à vie de recherche là, peut-être pas de même lancer. Pas de même lancer pour ne pas sembler en démagogie. Pour ne pas sembler en démagogie. Que ce soit capable de faire opération pour arrêter, ou bien on ne peut pas dire rien. Parce que on vient passer au ridicule. C'est un coup de dire là, moi fond pour mettre là et dans l'émission, hein, mais c'est dans la tête pour le sortir. Je ne vais pas réfléchir l'avant. Et puis après ça, je vais le retrouver mon dilemme. Je vais le prisonnier dont promesse moi fait que je ne vais pas respecter. Non, pas dire non. Maintenant là, parce que pays a senti que c'est un petit comique qui a fait là. Et on est qui a envie de rechercher d'elle, qui a parlé ton autre qui a envie de rechercher d'elle, qui prend le poté, le bail la police dans la main, alors que c'est lui-même qui mène elle. C'est espérant d'être en bas. Qui sont pas le dire avec la police? Qui sont pas le dire avec le directeur général de la police? Eh bien, qui te me font titan? Parce que je ne peux pas vous dire un bagage qui t'a semblé, m'a passé pour le ministre qui l'a l'ordre, je ne peux pas dire ça. Entend. Non, ça ne veut pas parler, va dire. Non, pas non, pas non. Pas parler avec moi. Ça m'a dit qu'il y a un impact qu'on attendait, ça m'a dit. Je pense entendre réaction autorité, mais je pense pour aller gagner une réaction. Mais au-delà de réaction autorité, on analyse nos cafés. On bail, même si. Un spécialiste de l'armée, mais il y a des bagages de bon sens. Il y a des écrits l'inégalité des forces. Et on a parlé hier soir, je n'ai pas fini de maîtriser ça, je dis là, et je connais que M. Cherizier présenté au monde dans la télévision, il dit que c'est Mounsa qui présumé assassin, et que la promette libre à la police. Et moi, je suis sur les réseaux sociaux que je remets à sous-commissariat à Port-au-Prince Saint-Joseph. Et que, il y a qui dit que c'est lui-même personne qui est allé. Mais ça, je ne vais pas vérifier l'aspect. Mais tout le temps, dévoile dans la vidéo. Si vous dites que nous sommes journalistes crédibles, visage ne va pas apparaître, mais dans la vidéo, même dans les voix. Maintenant, le principe de l'inégalité des forces capable fait que les policiers qui sont là, évaluer
il n'y a pas assez de force pour arrêter monsieur par rapport à ça le représenter, parce que monsieur n'a pas débattu en bas comme ça. À ce moment, on a une autre question pour poser. C'est sur le fonctionnement de la police. Parce que la police, là, son corps, il est supposé qu'un système de communication, même il y a des codes qui sont capables de faire une intervention rapide qui peut faire boucler les zones. Non. Parce que ces questions m'a posé. Et là, monsieur, ça a passé ma pli entre les lignes, même suspect que policier dans ce commissariat portail Saint-Joseph là pas trop les qu'un monsieur parce que il a posé question puis gars pour monsieur là et puis après ça il vient pour monsieur dans main yo et puis surtout il pas voulu prendre la rue pour amener monsieur dans commissariat Port-au-Prince et l'ironie du sort semble monsieur fait toute nuit là par aucune l'autre unité qui vient prendre pour mener le côté qui offre plus sécurité. Ça veut dire que nous nous situation de débandade et au niveau de la gestion des forces publiques qui m'a dit pour nous prendre avec un pile sens de responsabilité, un pile dépassement, mais surtout pour nous considérer ça comme un défi. L'IPACA était comme ça. Si nous pas organiser force publique principale, là, qui c'est la police, là, eh bien, pita capable pitris. En garde de l'autre, peut-être alors souligner le fait que le président voulait boucher trou, il saute les fonds, il vient de paraître fatigué et action lieu inefficace. Est-ce que c'est même fatigue ça qui fait que là le mettait une espèce de CEP campé là côté que CEP c'est pratiquement celle même avec pas connait non c'est celle même qui est estimé là donné et il pas gagné nous en tant que politique qui vient sur lui du coup je veux dire là CEP a monté depuis 18 septembre pas comme ça va régler il est installé comme il dit mettre quoi pour le budget c'est même fatigue ça qui fait président pratiquement apparaître avec un CEP là il a péché avec alors fatigue là faut mettre un bémol sur mot fatigue là. Sous président, il faut fatiguer. Parce que le président va gagner l'heure au travail. Mais, gagner, on est capable de dire l'économie de la force. On est capable de chercher, utiliser force pour être plus efficace dans sa affaire. Là encore, c'est méthode de travail. Là. Le président assume tout le bagage lui-même d'abord. Et pas rien qu'empêcher que c'était le ministre de la Justice et qui c'est ministre de tutelle conseil électoral là. Ou bien premier ministre là et qui t'a fait opération hein, et puis s'il passait mal le président vient corriger c'est question arbitrage là président pas prendre recul pour le faire arbitrage là parce que moi tant dans pile critique qui fait sous CEPA et critique fondée parce que pas gain concertation pas gain accord politique pas aucun monde tête droite qui pourrait dire CEPA bien monté qui pourrait dire CEPA gain capacité pour ta faire une élection crédible cependant faut faire une différence. Entre gens qui peuvent monter avec les gens qui sont dans le lieu, ils ont l'esprit de vilipender les gens. Les gens, ce sont des citoyens. Et il y a des gens qui connaissent un parcours respectable, etc., qui ont trouvé là, par contre, dans quelles circonstances. Il y a tout qui est issu de certaines organisations, qui sont souterrains, etc. Il faut ne pas craser tout le bagage. Non, mais est-ce que les citoyens, M. Paul, pas justement mettre dans une situation pour apprendre toute frappe, ça, apprendre toute critique, ça, apprendre, lorsque vous connaissez, vous entrez dans une institution qui pratiquement est constitutionnelle, qui viole les constitutions. Parce que vous peut-être capable de monter comme conseil électoral pour organiser l'élection, mais pas pour faire un référendum pour changer la constitution. C'est inédit. Alors, toute question, ça, c'est problème concertation. Et moi-même, je crois que côté l'élite, élection, opposition, transition, cohabitation, constitution, ou pas capable d'engager dans l'émotion ni dans la confrontation. Faut toujours privilégier concertation capable de faire nous jouer une solution. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que nous avons une grave crise. Côté que ou pas capable de dire que c'est la constitution qui a appliqué. Mais c'est la loi qui a appliqué. Lors d'une crise de société, on est obligé tout le temps à chercher consensus. Parce que ce qui a marché bien, pas chercher consensus, c'est appliquer la loi. Et la loi, elle appliquée, c'est envers contre tous. Majorité ou minorité ou fait pas qui pas bon, appliquer la loi contre tous. Mais nous-mêmes, nous avons un problème consensus. Et bien, c'est ça que choix. Si nous parlons dans condition idéale pour que les constitutions, les institutions, pardon, fonctionnent et que c'est la loi qui peut appliquer, faudrait-il de ça ou chercher consensus là? Le problème,
c'est parce que consensus là pas chercher Jean pour le chercher et que citoyen ça yo du tout dans cadre là oui on dit pas assez pas assez dans le sens de manière très défavorable et m'ta cap dit 80-20 ou bien 80-90 pour qui ça c'est parce que me pas veut ignorer moun ki la dan yo moun ki la dan yo quand même ce sont des citoyens qui pas d'accord avec yo et m'ta tande émission avec artiste matin même l'en pas d'accord avec un moun parlons d'image tout pour nous considérer l'existence. Je ne peux pas dire qu'il y a un consensus du tout. Mm-hmm. Pas un consensus suffisant. Pas un consensus acceptable. Pas gagner consensus de rassemblement. Pas un consensus apaisant. Okay. Nous sommes capables de faire toute qualité qualificatif. Monsieur le Premier ministre, oui, allez-y. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Je le monte avec manque de consensus, crédibilité que le pagaien, confiance que le pagaien. Ou pensez c'est plus ça capable d'organiser l'élection Calvin qui c'est pratiquement l'élection générale qui va gagner. Faut remplacer président, deux tiers dans le Sénat, chambre députée, collectivité territoriale. Ou pensez c'est plus ça capable d'organiser l'élection sans que le bon élection, bon, utiliser quoi pour un grand soulier avec mon qui remène seulement Toilette. Toilette, non. Non. Il n'est pas capable d'organiser l'élection. Non, il est clair, il n'est pas capable. Il est clair, il n'est pas capable. Mais qui je ne peux pas le faire pour le faire, pour CP à faire l'élection, faut d'abord lier confiance population, faut parti politique yo d'accord travailler avec lui, ils sont institution n'ta capable dit transversal, ils vont travailler parti politique, société civile, la presse etc, communauté internationale. Non, CEP ça pas capable. Mais même pendant le pas capable là, on pas veut vilipender monde qui là dedans parce que nous ca besoin monde pour l'autre bagaille. Oui. Nous ca besoin dans l'autre CEP. Non, ça, c'est, oui. Mais oui oui, même pas d'accord pour n'a craser monde. Alors mais CEP ça j'en fait là. Moi, je ne parle pas à président, je ne parle pas dans la radio quelque temps, m'exprimer des accords sous Jean CEPA, fait là, je comprends volonté, je comprends bonne foi, mais le choix n'est pas bon. Alors, je veux dire, M. Sagan, qui nous dit ça, qu'il ne peut pas nous dire que CEPA ça? Non, je ne parle pas à président, et nous ne sommes pas toujours d'accord. Nous ne sommes pas toujours d'accord, il y a des débats mondiaux en public, que c'est là, nous ne sommes même pas jamais mis avec vous. Nous avons des accords. Vous m'avez dit là, pas bien oublié. Nous avons fait longtemps, nous ne pouvons pas aller. Mais moi, je n'ai pas choisi un ennemi en politique. Nous avons des accords. Mais il faut nous parler. Nous ne parlons pas de ce CP, on dit CP, ça n'a pas bon. Nous ne parlons de ça seulement. Et il n'a pas montré que le choqué, c'est ça. Il a montré que le conscient, grand problème. Elle montre un petit l'état éventuellement ouvert pour une solution plus acceptable. C'est solution à avantage. Comme tu dis ouvert pour le changer CEP ça? Non, pas porte-parole président. Pas pour l'anticiper. On a connu son monde qui très prudent. Pas pour l'annoncer. Ça fait. Pas porte-parole, pas conseiller. Ma baille opinion, pas moi. Ok. Mais évaluation. Moi, paraître réceptif. Ok. Réceptif à l'idée pour ta gagner une négociation. Côté CEP à sous table à tout. Ça, c'est une opinion. Son évaluation, je ne sais pas où son monde qui dit, ah, me fait le net. Non, non, non. Monsieur, moi, son monde qui dit, ah, capé, mon cher, bon, et tout le monde, il y a son table. Vous comprenez? Vous comprenez? Il n'y a pas désavoué tête, il dit, vous dites, ah, bah, je ne reconnais pas bon du tout. Mais il n'y a pas dit, il est très bon tout. Mais vous connaissez CEP à son table, négociation, ça, son bail est très. Comme d'a dit ça là, qui pas qui pas croqué une fois parce que c'est passé et puis il a parlé là. C'est de mandal, il a parlé pour qu'il finisse 7 février 2021. Ah, il a parlé de mandal depuis longtemps. Oh. Il n'a pas fait qu'à parler de mandal. Oui. Et moi, il dit que. Vous parlez que véritablement commencé à parler de mandal 7 février 2021, M'sout... c'est après le film voué, oui, c'est le 13 janvier 2020. Alors, qui t'aime dire? Moi-même, ouais, t'as l'air, m'sout dire, président, il y a un problème, et arbitrage là. Léon Tijan. Il y a des fois trop devant scène, il n'y a pas quitté l'espace pour jouer l'arbitrage. Opposition, bon côté, pas li, pas qu'on mesure victoire. Parce que chaque monde a une limite sur ce qu'il a fait. Ou dans le premier lock là, lock qui était fait en février 2019 là, opposition a obtenu que le mandat du président Jovenel Moïse écouté. Moi-même, moi j'étais convaincu que capable de jouer ça, le ça. Mais comme. T'es une attitude jusqu'au bout, ça allait pour l'aller, sans qu'on pas tout le monde pour faire l'aller, ou pas même capable de bénéficier d'une petite victoire. Dès qu'on travaille avec le professeur Gérard-Pierre Charles dans le cadre de convergence démocratique, j'ai toujours gagné la théorie des petits pas. La théorie des petits pas,
on va que les chemins découpés, bon, ce qu'on a en dehors, mm-hmm. on route bien long au café, et puis on va passer non rage, etc. Mais fort capable d'évaluer force pour qu'on ait qui côté qui arrive, qui côté pas qui arrive. Et nous avons fait parallèle par rapport à l'élection dominicaine, l'élection américaine. L'élection américaine, où on voit que la opposition farouche entre démocrates et Donald Trump, yo essayé un impeachment, ça va marcher. Ils ont branché mes élections. Parce qu'ils ont mesuré force. Ils ont dit, ah, bah, ça a plan, ça n'a pas marché. On prend l'autre plan qui est plus réaliste. Là. Nous allons devant le peuple. Là. Et là, ils ont presque gagné une bataille. Je ne dis pas qu'ils ont gagné, parce qu'ils ont ambiguïté jusqu'à présent. Ils ont presque gagné une bataille. Je pense que l'opposition était capable d'obtenir. Par exemple, l'opposition était capable d'obtenir. Ils ont meilleur conseil électoral. Un conseil électoral peut-être qui est capable au-dessus de la mêlée. Parce que nous n'avons pas besoin d'un conseil électoral partisan. Ni choisi par le président de manière unilatérale, ni choisi par l'opposition. Nous avons besoin de conseil électoral qui a des personnalités. Bon, l'opposition a une capacité pour te influencer pour nous conseiller, puis je veux dire que pas tape dans sa ligne là. Et le président Jovenel Moïse t'a obligé d'obtempérer parce qu'il était en faiblesse. Donc, Premier ministre, si vous comprenez bien, à partir de janvier, février 2019, si ce n'est pas intransigeance opposition, hein, il y a peut-être un météo président qui a cédé au parti de mandat là pour que la question. Là, sa question est à l'ordre du jour et là, sa présidente est sensible à ça. À un moment déterminé. Président, je me suis sincère à ça. Pas dit sincère, sensible. Oui, sensible. Je me suis sincère. Chaque fois, il y a même place. Non? Absolument pas. Sensible, on ne peut pas dire sincère. Absolument. Il y a une situation où tu me dis, ah, j'en bats là, elle a tant perdu tout, puis tu me bats émotion. Mais parce que je me bats émotion du tout. Non situation moins sensible à l'idée ba emosoa ou bien capable ba emosoa qui sont piqués pour lui ou piqués là pour lever l'autre bord. Bon, ça c'est le président Préval qui dit ça à peine âgé pour sortir là. Mais politique là c'est à la fois un jeu d'intérêt et il faut qu'on jongle tout avec les conjonctures et puis il faut qu'on ait tout la dynamique des contradictions internes. Parce que ce que l'opposition doit connaître, c'est un lieu d'intense contradiction interne. C'est-à-dire que plein contradiction interne, c'est ça qui fait force, c'est ça qui fait faiblesse. Le gouvernement a une différence parce que c'est une autorité principale. Et force gouvernement a de chita sous mode d'organisation et de fonctionnement, à savoir le principe de l'arbitrage. Des autorités. Alors, là, nous faisons des mauvais choix du côté opposition, des mauvais choix du côté. Ça veut dire bataille la partie sous des principes non conventionnels qui pourraient bailler des crises que la société a pour le payer cher. On regarde l'autre point dans le chantier président que la militaire a pile voulu, qui c'est changement de constitution. Et nous, elle voulait passer d'abord par un référendum, limiter un conseil consultatif indépendant, entre guillemets, mais avant de poser des questions, vous pensez que le conseil est capable d'indépendant, vous voyez? Monsieur le Président, mettez le Campéa, conseil consultatif indépendant pour réforme constitutionnelle. Le mot indépendant, ça va pour nous toujours poser toutes nos questions. Indépendant par rapport à quoi? C'est pour les institutions indépendantes. Indépendante par rapport à quoi? Indépendante par rapport à président ou bien par rapport à peuple. Et d'ailleurs, c'est des concepts pour nous faire très attention à utiliser. Parce que là, nous avons fait Constitution 87, là, nous fait lier avec l'esprit président, c'est synonyme de Duvalier. C'est ça qui fait le paquet de problèmes là-dedans, parce que l'ombre Duvalier, l'ombrage Duvalier, fantôme Duvalier était devant le monde qui a écrit Constitution, parce qu'il était fait sortir dans la dictature. C'est ça qui fait nous créer un bon bail, nous, Léo, indépendant. Toute indépendance est relative. Parce que moi-même, pas capable de dire, moi, indépendant. Nous avons une opinion sur une question, nous avons une limite qui arrive à un monde. Même pas capable de dire totalement indépendant, ça n'a pas de sens. Un président, si le président, c'est haïtien, alors il n'a pas une idée, il lui fait passer dans la Constitution. Mais c'est normal tout. Tu es capable de bouler avec Clani? Moi, je t'ai plutôt dit équilibré. Je t'ai plutôt dit équilibré, ça veut dire que les influences, l'autre monde influence tout. Et puis, il y a un côté de faire arbitrage. Là. Parce qu'on ne peut pas empêcher. Mais c'est justement ça. Influence. C'est l'hypocrite qui est dans la constitution. Moi-même, Gombagaï l'a dit, et je pensais que je suis sauté sous ça. Premièrement, le pape candidat. Deuxièmement, le pape cherche avantage sous constitution qui pourrait le faire. Mm-hmm. On connaît le prochain discours président
t'a fait, t'a souhaité lui dévoiler l'idée de la Constitution. Moi-même, j'ai l'idée de la Constitution. J'ai l'idée de la Constitution. Quelle est l'idée de la Constitution? Parce que le président a des points. Non, il y a des problèmes. Il y a des bagages, il dit, il n'a pas besoin de dire. Le président n'a pas besoin de dire. Donc, il dit, c'est un outil de corruption. Il y a des gens qui disent, il joue la Constitution. D'ailleurs, dans la Constitution, il y a des gens qui 60% qui étaient élus. Et puis, il y a 20% de CNGAT choisi. Ou te gen des moun tant que docteur Wa, te gen des moun très respectables qui étaient là dans les que m'a pas dit c'était des corrompus. Vous comprenez? Et m'a pas dit comme ça. Et n'empêche qu'il y a des problèmes dans la Constitution. Par exemple, et m'a pas d'accord avec la position de l'ambassade américaine qui dit qu'il faut faire élection avant ranger la Constitution. Parce que c'est pas la Constitution qui fait problème, yo. Mais il est vrai que la Constitution lit. On source d'une série de problèmes dans la gouvernance pays. Côté que y a un bon monde qui en place, qui est élu, et puis c'est goumé à l'goumé. Ou un phénomène cartel là. Ou qu'a fait une enquête à travers le pays pour voir qui côté un cartel magistrat, cartel kazek, que toi, Mounio, entendez-vous. Mais ça, c'est la même question que tu chantes. Ou pour aller au niveau des communes. Constitution dit que un commune est autonome, la commune. Mais la commune a une section communale là-dedans. Que Kazek l'a élu. Et bien maintenant, l'élu, elle pense que c'est autorité, section côté lié. Et bien maintenant, qui pouvoir réel que le magistrat est capable d'exercer sous vous. Alors, où est ça? Où est au niveau du Parlement? Côté pour une loi sortie, son bagage compliqué. Il faut voter dans le même terme. Dans tous les pays. C'est perdre du temps. Nous ne pouvons pas faire un pays. Bon, nous avons deux chambres. Nous avons le Sénat. Tous les deux pays ont la même fonction. Nous avons une bonne contradiction. Tout le monde a un développement. Magistrat a un développement. Kazek a un développement. Député a un développement. Sénateur. Président a un développement. Bon, écoutez, nous avons sorti. Faudrait-il que nous bien compartimenter le rôle. Alors, il y a une bonne de problèmes. Qui, par exemple, question pour nous faire élection chaque deux ans pour renouveler le tiers Sénat. Nous n'avons pas de capacité pour nous faire tout ça. Ce sont des. Je ne pas dire que c'est fait pays dans la crise tout le temps, non? Oui, mais c'est somme de. Oui, même penser que c'est vrai, il faut me poser. Mais en même temps, tout, pas qu'un individu à lui-même seul, même si le président de la République, qui est capable de protéger ça sous dole. Et le président Jovenel n'a pas dit la protéger sous dole tout. Mais maintenant, comme pas un cadre légal. Pour faire l'IA, faudrait-il que nous joignions une formule qui est avant nous, un consensus qui est capable de dire acceptable. Okay. Maintenant, vous êtes clair sur l'élection avec CEPSA, pas un doute sur lui, nous, on ne peut pas organiser l'élection, mais en même temps, est-ce que vous êtes président capable de faire changement de constitution, ça n'a pas l'IA avec le conseil consultatif limité, ou bien changement de constitution tout court pendant ce mandat-là? Il n'y a pas qu'à faire pour contre lui. Il n'y a pas qu'à faire pour contre les faux conseils consultatifs là capables d'aider le rallier l'autre monde. Et maintenant, des discours, président Boniface Alexandre, mais qui sont monde respectable, et il dit que le travail n'est pas capable de réaliser sans collaboration, sans aide peuple haïtien. Et là, il dit peuple haïtien, je pense qu'il a parlé de représentants avisés dans la société. Parce qu'il y a deux niveaux, il y a les élites, nous pas capables de faire une opération importante comme ça sans élite. Pour la première mobilisation, ce n'est pas seulement Frontex. Il faut un monde qui joue un gens, même s'il n'est pas d'accord avec Jovenel Moïse. Pour dire Jovenel Moïse, déjà, il est à la sortie. Jovenel Moïse a géré la fin de son mandat. Il n'est pas qu'à venir candidat tout de suite encore. Il n'est pas qu'à arrêter un jour en plus après les mandats la finir. Oui, mais pas qu'à venir candidat tout de suite là, nous connaissons le détail. C'est lié à une bonne position pour organiser l'élection. Il n'y a pas fait ce passe-coute. Bon, et pas fait ce passe-coute là. Il y a un paquet de bagailles qui passent dans le monde qui montrent l'élection pas faite comme ça encore. En République dominicaine, il y a un gouvernement qui fait élection, il perd l'élection. En Bolivie, là, nous autres prenons un exemple. Il y a un coup d'État, coup d'État, il tombe, mais parti là, tourne sous pouvoir. Aux États-Unis, Donald Trump, bagaille tout puissant, etc. Même si il y a la boucle fin clair net, mais au senti opposition, hein, semblait le bras le gain. Mais l'autre garde, Evans Paul, ou pas, le président, comme Mme Dazou, il prend un changement de constitution, il met des sous-doules pour qu'on parle, même avec l'élection, par contre, quel consensus qui fait au niveau de société. Hein. C'est vrai que grand pile acteur qui reconnaît la nécessité pour taguer passer, mais qui fait dans la constitution, qui a une bonne pointe à lui, changer dans la constitution. Hein.
Mais pour le président, pratiquement, embarqué là-dedans pour quoi? C'est consensus. Quels sont arbitrages là? C'est le même problème, non? Un président, un. Trop pressé. Il est trop pressé, il peut faire le trop bonheur. C'est-à-dire que le carité, et puis quitter l'autre monde, déboussaille, et bah, là, et bah, comme ça, quitter. Parce qu'il y a l'autre monde qui a une position, président. Il y a un côté me rencontrer, il y a un côté me pas rencontrer. Mabdou. Pas qu'aucun homme politique ici dans le pays d'Haïti cadre de constitution en bon que le bâme qui pas gagné là-dedans qui mérite échange. Comprenant toute partie pour quoi Laval, quoi l'OPL, quoi fusion, tout le monde d'accord, nous d'accord, qui pour corriger, mais nous ne pouvons pas mettre d'accord sur qui j'ai pour. Et tout le monde connaît tout dans le mécanisme constitution en bas pour amender là. Ou pas qu'à résoudre le problème. Il y a là un gros professeur Sonné Jean-François, maître Sonné Jean-François, lui-même, il va changer la constitution, non? Il dit que la constitution 87 nous pas, jamais appliquer. Il dit que la constitution 87 pas aucun problème, là, là, c'est nous pas, jamais mettre dans la situation pour nous appliquer. C'est pas lui-même, et pas texte à problème, non? C'est haïtien le problème, non? Maître Sonné Jean-François, nous pas prendre solution. Non, c'est un cadre important dans le pays. Il y a, si il dit un bagage, il faut prendre très au sérieux. Mais c'est un monde qui est grand pile, qui écrit bien. Mais ils font si mémoire pour dire nous comment on a appliqué pour nous arriver et surmonter toute difficulté qu'il y a. Parce que il y a des bagailles économiques là-dedans. Son application coûte en pile comme. Est-ce que Evans Paul ou estimé opposition raté timing qui était favorable avec les mêmes noms pour le défaire Jovenel Moïse aller avant 7 février 2022? D'une part. Parce que. D'une part, ça veut dire oui? D'une part, vous avez fait l'aller avant 7 février, c'est son premier bagage. Vous avez fait l'aller en pile dans la bouche du tout. Parce que, qui s'est passé? Son dynamique démocratique. Parce que l'opposition, des fois, les gaspiller force. Les jeunes ont mobilisation. Et puis, par contre, toute mobilisation est temporaire. Parce que le peuple a une limite. Li. Mon nous dit, marcher aujourd'hui, demain, décider de disposer camper, d'autant plus que il y a capacité pour résister, problème économique, etc. Et puis, peuple n'a pas de patience. Tout. Ou dit, le va le faire ça, et puis, il a dit, un mois, deux mois, il va y marcher. Ce n'est pas seulement en Haïti, regarde ce qui passe au Venezuela, avec Juan Guaido. Le monde entier dit, appuyez, monsieur, comme président. Bon, Maduro résiste, ça qui passe. Vous avez parlé de monsieur encore? Parce que tu as des mauvais choix qui étaient faits. Même au niveau international, tu as surestimé ça, M. Café. Tandis que, si peut-être, il pas dit, il reconnaît M. comme président, il a demandé pour élection refaite pour M. candidat, il n'y a pas son autre gens. Il faut réaliser dans le combat. Si, par exemple, vous dites, bon, nous voulons mettre un conseil électoral que tout le monde respecte pour nous garantir une bonne élection. Bon, nous voulons l'élection anticipée, mais ça, nous voulons négocier avec le président Jovenel Moïse. C'est pour une question de... Bonsoir, dit, pas dire, vous transition pour Jovenel Moïse aller. Parce que ça a demandé. Et ça a demandé. Transition, ils sont bagailles controversées. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. La transition, c'est un mot. Son mot, je le dis. Parce que ce n'est pas le monde qui fait transition. Transition, c'est le programme. Premier gouvernement de transition que tu as gagné, c'était l'administration de Jean-Bertrand Aristide en 1986. D'abord, c'était doué le président Maniga, ça passait mal, qui était doué faire transition de la dictature vers la démocratie. C'est de ça qu'on a parlé. Et maintenant, qu'on bande de bagaille que nous avons, on n'a pas eu de transition. Il faut nous définir sa transition. Parce que c'est un mot, souvent, mais non là-dedans. Qui fait un gouvernement élu capable de faire transition en tout. Or, le plus facile pour mettre un gouvernement qui a légitimité, ou t'as dit, ou ap fait élection anticipée, opposition font grande coalition qui dit, bon, nous allons faire transition. Transition, je l'ai dit, nous allons faire une constitution qui répond à des idérata, à capable de culture, à tout ça qui a fait pays à marcher plus bien. Nous allons adopter une politique économique qui permet de nous faire croissance. Nous voulons gagner un système d'éducation qui est plus fonctionnel. Parce que je dis à Robinson, il n'y a pas de jeunes. Ils ont fait toute étude classique. Yo. Bon, il y a quelqu'un qui a même une licence dans la main. Mais ils n'ont pas représenté grand-chose. Mais ce n'est pas eux responsables. Ce sont des gros problèmes. Moi, il y a des gens qui sont dans l'université d'État ici hein, depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui n'ont pas une licence. Il y a la rue, il y a manifestation, etc. Mais il y a gaspillé énergie, il y a gaspillé temps, il y a gaspillé
Nous capable de dire existence. Qui fait nous ne sommes pas capables de gaspiller tant nous gaspiller donc, ressources nous comme ça. Donc, est-ce que vous estimez que, avant nous aller aborder la question de l'élection américaine rapidement, parce que les lumières rejoignent à demain, est-ce que vous estimez dans le moment ça là, opposition a parfait poids pour forcer Jovenel Moïse à aller 7 février 2021 ou avant, Jovenel Moïse a fini de faire mandat jusqu'à 7 février 2022? Opposition a affaibli. Il a affaibli, tout pour nous constater, il a affaibli. Mais maintenant qu'on y a, affaiblissement, elle dit le mourir. L'obliger à réviser stratégie li, pour le gagner une proposition capable dire qui est accrochante. On pas qu'elle dit pour le peuple là reconnaître li là-dedans. Je pense que il est obligé de réviser. Si vous pas réviser, il a passé à côté, il a toujours dit yo vle. Elle à la manière du gouvernement qui a fait tweet qui a dit le dénoncer et puis ses paroles vont. Peut-être que, dans le moment où on a parlé là, Evans Paul et Biden capable de remporter Pennsylvanie et puis le finir avec, avec ça, nous ne connaissons pas. Mais l'opposition a compté, selon calcul politique, compté sur l'élection Biden pour l'administration américaine a changé politique par rapport avec Haïti, pour le suspendre by Jovenel Moïse et Supola Bailala. Et Jovenel Moïse comptait sur l'élection et renouvellement mandat et Trump pour que les Américains continuent la même politique ça par rapport avec la supporter. Comment on voit le schéma ça? Haïti paraît tout important ça. On t'a parlé à un professeur matin. Hein? Oui, Awol Joseph Pierre. Awol Joseph Pierre, me félicite, monsieur. Haïti paraît tout important ça dans le gouvernement américain. En comme si M. Biden, président, c'est d'Haïti qui va l'occuper avant. Il y a un problème. D'ailleurs, il fait déclaration contre Corée du Nord. Il dit voyou, il faut l'obliger et respecter la parole ça pour le connaître. Comment on va le démarquer de l'Inchon? Il y a un problème américain avec l'Iran. Il y a un problème avec la Chine. Il y a tout problème interne, coronavirus, M. Dil pour gérer les bagailles là. C'est de Haïti, M. Biden pour le président, c'est dossier Haïti. C'est l'ambassade américaine qui a toujours dicté ça pour faire là. On s'en est pas dit, mais qui positionne de gagner avant, ou pensez que Biden pour le désavouer ça, M. Trump a fait. C'est moi qui n'ai pas suivi la politique américaine là, depuis 30, 40 ans qui pensait comme ça. C'est pas Haïti. Ça, Haïti représente une balance là pour M. Biden. T'es arrivé, puis le premier dossier qui est sous bureau, c'est Haïti. Perte de temps si on pense comme ça. Moi, d'accord. Du point de vue de la politique interne des Américains, gros engagement, M. Biden prend sur mon petit pièce, nous. Et nous connaissons que si vous voyez mon tourné, il y a un impact négatif sur nous, sur l'économie, nous, sur l'autre aspect. C'est juste sur l'aspect ça, d'accord. Mais l'autre aspect, mon pensée, Biden prend le temps, M. Jovenel Moïse, nos oreilles pour dire quitter le pouvoir, bon, moi, c'est perte de temps. Même gens, en pile monde te pensé, républicain te traditionnellement supporté un dictature en Haïti, t'as supporté Duvalier. Sous qui président dictature a tombé? C'était sous Reagan, républicain. Là pour tomber, a tombé, c'est pour camper, après de camper. Il y a l'autre bagaille qui prend une décision qui n'a aucun rapport avec Haïti d'abord. Il est toujours lié avec la perception intérieure. Moi-même, je pense que faut moun pas mettre espoir sous ça. Parler entre nous, chercher solution yo. Ben yo même y a tant de solutions entre nous, puis nous même n'a tant de solutions pour nous. Quand il se bagaille, mon cerveau est sous deux aujourd'hui. Ou grand Amérique divisée, grand deux Amériques, grand Amérique profond qui ont paquet blanc, suprémaciste, raciste tout. Oui, bien sûr. Par rapport à mouvement Live Black Matter, ou grand bon problème interne, violence, etc. qui gagne États-Unis. Donc, il y a un problème qui est géré, c'est pas ici. Maintenant, tête, c'est un petit pays d'Haïti qui n'est pas représentant rien, qui n'est pas pour le pétrole vendre. C'est de ça, M. Biden pourra l'occuper, mais M. Trump pourra l'occuper en premier. Perte de temps si on monde pensait comme ça. Mais, à fait, ce là, je pense que c'est un élément capable d'expliquer. Nous avons plus espoir si c'est Biden qui est élu. M. le Premier ministre, nous avons fini. Il y a 2 ans de cela, où tu es là, ensemble avec moi, où tu as parlé de Jovenel Moïse, où tu estimé que le paquet contrôle en est pratiquement dans le pays et que le pays a son pays comme Kwamdadjo qui a effondré. 2 ans après, comment on est le pays a? Jusqu'à présent, il n'y a pas de contrôle. C'est parce que le paquet contrôle qui fait pas y a passé comme ça. Mais pas de contrôle là. Nous n'avons pas qu'à la responsabilité à sous dole seulement. Non, c'est absence des institutions. Hein. Ouais, ça a passé les États-Unis, pas l'empile, déclaration. Mais contribuer pour le topier, c'est sur tout. Moi, je suis parlé de questions et comportement le papa arbitrage. Je suis toujours campé même côté. Hein. Aux États-Unis, il y a un bon monde qui a parlé de bon bagage, un bon de détails, monde pas connaît. Est-ce que grand pile monde qui connaît, bah le bon gros chiffre là, il y a 1226 candidats à la présidence. Tout le monde connaît 2 candidats parce que système dans Jean Lier pour faire un spot passé dans radio dans CNN. 100 millions de dollars à coûter.
Ou gen droit candidat. Candidat, ou gen moun ki candidat à la présidence en quartier Brooklyn. Au moins, gen candidat pour nous connaître qui vient en Haïti. Nous avons candidat qui visite nous. Kenny West, qui est candidat. Yo dit, vol élection. Nous gen 1226 candidats. Oui, qui déclarait, mais c'est environ une dizaine qui gagne. Oui, parce que gon bonne mécanisme, il faut inscrire dans tout état, etc. Oui, oui. Et puis, problème qui a passé dans la contradiction de la politique américaine, il a commencé depuis 28 ans. Depuis l'été, il y a une élection Clinton en face de Bush, où il y a un monsieur qui est Waspiro, et il y a le third party, qui est ton troisième parti. Monsieur, ça a été fait 18%, c'est là, ça a été ton troisième candidat. Il changeait votre là. Bah, là, pour qu'on finisse dégradé net, non. Mm-hmm. Parce que je me songeais, monsieur Waspiro fêtait des fêtes en dansant. Là, monsieur a pas annoncé le perdu, et puis monsieur a montré ça dans la danse. Parce que ça qui passe dans la démocratie américaine, non? Il y a des pouvoirs au bas du monde. Là, monsieur Trump dit, pas pour reconnaître l'élection, hein? Et bien, traditionnellement, fort monde qui perdu a d'accord le perdu. On a regardé en 2016, c'est jusqu'à 2h du matin, oui, pendant que Clinton d'accord pour l'élection, pour le dire, sous insistance Obama. Qui fait, il y a des lois usuelles, il y a des bagailles, ces comportements, ce n'est pas la loi dit pour faire les. Moun qui perdu, pas d'accord perdu, et puis ça a créé un impasse. En 2000 tout, puis c'est go, pas d'accord perdu tout de suite. Oui. Nous, les services, j'ai fait appel à deux anciens secrétaires d'État, et Warren Christopher, et John Baker, qui t'a fait une médiation, chaque qui soutient nos partis. Mais il y a une ressource, il y a une cour suprême. C'est ça nous manquons en Haïti. Il y a un problème, bah, la gare est nette, nous n'avons pas de recours. Et nous besoin de recours pour nous faire société avancer. Donc, toujours est-il, même si Jovenel Moïse n'en fait mandat, nous toujours pas à côté de l'aller avec le pays. Bon, moi-même, pas dit que je à côté de l'aller. Ce qui est clair, nous avons fait mandat. Ça, nous avons fait déjà. Ça, nous avons fait déjà. Nous avons fait mandat aujourd'hui. Ça, nous avons fait déjà, c'est fini. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'attaquer Jovenel Moïse, qui est déjà une sorte de passé. Au contraire, c'est ouais pour nous faire, qui ça nous a fait, pour s'il a fait des gars, pour ne pas faire plus de dégâts. Parce qu'en général, s'il fait des gars, dégâts pas pour lui. Dans l'histoire, il a passé comme président d'Haïti déjà. Héritage du poil quitté. Il faut nous faire un genre pour le papier catastrophique que ça nous gagne déjà. Alors, comme je dis, je ne pas considérer personne gagne mauvaise foi. Je pense que nous faisons de mauvais choix. Et lui aussi, va la président Jovenel Moïse. Au lieu de vilipender les gens, on nous voit qui nous sommes tirés, qui bien bon M. Jovenel Moïse, bon côté opposition. On nous chita parler, on nous négocier. Suspendre. Nous avons dit là, et retirer tête nous pour nous dire, nous pas là-dedans, en nous engager. Nous-mêmes, c'est ça, moi, conseiller tout le monde qui est en opposition. Négociation, c'est pour une faute. C'est qui sort va le négocier, c'est qui j'en va le négocier. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup.